Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Magical59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trial Evolution. Donc là, on va entamer le sixième épisode de ma série de tutoriels pour avoir les médailles de platine sur, ouais, donc les médailles d'extrême. Donc là, on va démarrer tout de suite. Donc ouais, c'est la manière du ninja. Donc cet épisode-là sera un peu plus long, étant donné que c'est la map la plus longue du jeu. Donc celle-là, je l'ai réussi en 2 minutes 35. Donc on peut faire largement mieux, mais c'est parce que la piste reste assez dure à avoir en platine, étant donné qu'elle est très longue en fait. Les obstacles en eux-mêmes sont pas difficiles. Donc là, je vais vous expliquer maintenant comment il faut faire. Donc pour les obstacles, on va procéder comme d'habitude, hein. Donc je vais faire les obstacles. Je vais vous les faire montrer et ensuite je vais vous expliquer comment il faut faire. Voilà. Donc ici. Donc vous pouvez démarrer comme ça, donc vous démarrez comme ça à fond et vous penchez en arrière sur la rampe. Donc, ensuite, coup de frein arrière, mais pour que on ait un petit coup de frein comme ça va nous bloquer directement ici. Ensuite, arrivé ici, il faut accélérer à fond et faire un bunny up. Et comme ça, votre roue arrière va réatterrir sur le tuyau bleu et il faudra vous pencher en avant. Donc là ici, bunny up et vous penchez en avant. Il faut que la roue arrière touche bien, hein, sinon vous allez tomber comme moi. Voilà, comme ce que je viens de faire là, c'était bon. Donc ensuite, ici, il faut vous mettre à peu près ici, donc là où j'ai la tête de mon personnage en rouge. Ensuite, vous accélérez en arrière, un bunny up. Donc si vous êtes coincé comme moi, je l'ai fait là, parce que normalement, il y a moyen de le faire autrement. Donc ici, vous mettez en arrière. Donc vous mettez en arrière, vous accélérez, comme ça vous serez dans la même position que moi, et ensuite vous faites ça. Voilà. Donc par contre pour faire la technique j'aime faire là. Pour faire cette technique là, attendez, je vais vous montrer. Oups. Ah bah il y a même moyen de le faire comme ça. Donc attendez, je vais vous faire montrer la technique. Donc pour faire la technique je fais là. Voilà, comme ça. En fait, il faut rester appuyé à fond sur l'accélérateur et tapoter la gâchette de frein en fait. Mais d'abord, il faut mettre un coup de frein pour pouvoir dire de se mettre comme ça, et ensuite vous tapotez l'accélérateur, la gâchette de frein. Donc sinon, pour passer rapidement, en fait, au niveau de la tête de mon personnage, c'est à peu près au niveau de la planche blanche. Ici, on fait un bunny up. Oups. Par contre, je vais peut-être pas y réussir le premier coup. Non, bah je l'ai pas très bien réussi, mais en gros, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Vous enchaînez deux bunny up et ça devrait passer. Donc ici. On se met juste comme ça, donc tout simplement. Ensuite, on accélère, on fait un bunny up. Et un coup de frein. Coup de frein ici, comme sur le premier obstacle. Donc ici, à partir du moment où vous êtes à peu près au milieu de la bûche, vous faites un bunny up en accélérant à fond. Donc ça, on s'en fout, vous pouvez accélérer à fond comme à tarif. Donc ici, c'est simple. Penche en arrière, en avant, et on accélère. Et ici, il faut faire un bunny up, en fait. Mais il faut pas aller trop vite ici, sinon vous allez atterrir trop tard à peu près. Donc là voilà, donc ça c'est pas très difficile. Donc ici, en fait, ce qu'il faut faire c'est se mettre sur la planche là, hein, et ici vous accélérez en faisant un bunny up en arrière. Donc là vous serez coincé ici, donc moi j'ai mis un coup de frein quand je suis raté. Donc faut coincer la roue arrière ici à peu près. Et là ensuite vous accélérez en faisant un bunny up arrière tout simplement. Donc ici pareil, un bunny up. Donc là rien de difficile. Voilà. Donc là, le nouvel obstacle. Donc celui-là, vous vous penchez en arrière d'origine. Et vous accélérez en vous penchant en arrière, et ensuite vous vous penchez en avant. Donc comme ça. Ce qui vous permet d'arriver ici. Je vais vous faire montrer plusieurs fois. Comme ça, vous pourrez comprendre. Voilà. Donc ici, bah, rien de difficile, hein. Un petit bunny up. Voilà. Donc ici, il y a une technique un peu plus rapide et une technique un peu plus lente. Je vais vous expliquer les deux. Donc ici on enchaîne tout sur la roue arrière en faisant des bunny up et tout ça, donc je pense que vous aurez compris, hein. C'est un peu chaud. Voilà, donc là je l'ai pas fait super rapidement. Et la deuxième technique, par contre le problème c'est que j'ai passé le checkpoint. Bah je vais vous faire montrer, je vais y aller, hein. Du coup je vais essayer de me dépêcher. Ouais, et puis vas-y je me bloque ici comme par hasard. Donc là, vous voyez, milieu de bûche à peu près, on fait un bunny up.
Merde. J'allais dire, j'ai failli dire, je vais vous faire un perfect en plus jusque-là. Et pour finir, au moment où j'y pense, faut que je tombe. Et puis en plus, je tombe comme merde. C'est vraiment pas beau à voir. Donc là, attendez. Donc là, ici, c'est un peu ci. Donc en arrière et en avant. Ouais, donc là, voilà, je pourrais re-vous faire montrer, excusez-moi. Donc ici, sinon, donc en fait, vous essayez de vous pencher en arrière et d'accélérer comme vous pouvez. Et donc normalement, ça devrait tout passer. Ici, surtout, on fait un bunny-up. Hein. Et ici, on accélère en se penchant en arrière et tout en se penchant en arrière, normalement, ça devrait fonctionner. Donc ici, on se penche en arrière, on fait un bunny-up. Donc un bunny-up en se penchant en arrière. Je vais vous faire montrer encore une fois. Donc ici. Donc voilà, bunny-up en se penchant en arrière. Donc là, ici, on fait un bunny-up et un deuxième bunny-up. Voilà. Donc ici maintenant, vous accélérez tout le temps en vous penchant en arrière et soit vous allez faire comme moi, soit vous allez atterrir un peu plus loin ici. Donc ça reste assez facile, hein. Faut y aller en mode bourrin pour ce truc-là. C'est le moyen plus rapide de passer et puis c'est vraiment très simple. Au lieu de s'embêter à essayer de faire un bunny-up et tout, il faut vraiment passer en mode bourrin et c'est très facile. Donc là ici, rien de difficile, hein. En arrière, en avant. En arrière, en avant, donc un bunny-up, hein. Donc ici, par contre, on m'écoutera quand même, quoi, vous êtes tombé. Donc ici. En fait, ce qu'il faut faire, c'est moi bien. Donc vous vous arrêtez à peu près ici, vous reculez et vous accélérez en arrière en avant, comme ça. Bon, on recule, on accélère, on se penche en arrière et ensuite on se penche en avant. Donc, je vais vous faire montrer encore une fois. Recule, accélère en arrière en avant, en mettant un coup de frein. Donc là, recule, accélère en avant en coup de frein. Voilà. Donc, ici en arrière en avant, rien de difficile. Oups. Donc là ici, ça c'est le truc qui est chiant à partir du moment où on arrive à cet endroit-là de la map, on se bourre souvent à arriver à ce moment-là en fait. Moi je sais que je me suis bourré pas mal de fois ici, mais vrai que ça reste assez chiant quoi. Donc ce qu'il faut faire ici, donc, on fait un bunny-up, hein. Ici on accélère en se penchant en avant, ici par contre on essaie de se freiner. C'est la méthode la plus sûre, hein. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé pour le faire. Donc ici vous vous freinez, vous vous arrêtez ici sur la deuxième, et vous tapotez l'accélérateur, tout en vous penchant en avant. Donc une fois que la roue arrière elle est au bord du truc, vous accélérez en avant. Et ici vous allez atterrir ici. Donc maintenant ensuite on refait comme pour le deuxième. Ici on accélère. Donc on se penche en arrière ici pour éviter de tomber. Donc là ici c'est bon. Donc ici ce qu'il faut faire. Donc là on fait un petit bunny up. Enfin, moi je me penche en arrière comme ça va un peu plus vite ici. Et on s'arrête à peu près au niveau du milieu de la rampe. On fait un bunny up. On fait un bunny up. On essaye de se freiner ici parce que sinon on va tomber. Donc ici un bunny up. Rien de difficile. Donc ici il y a deux techniques. La technique, enfin, elle marche pas à tous les coups, mais elle marche presque toujours. Donc ça dépend comment vous prenez. Donc ici il faut mettre la roue arrière au bord du vide. Enfin faut mettre sur le bord quoi vraiment. Ensuite vous accélérez un peu. Voilà, comme ce que je fais. Et normalement ça passe. Sinon la deuxième technique c'est comme ça. Donc ici vous faites une petite accélération, vraiment pas grand-chose. Ici voilà, oups. Donc là, je vous remontre une dernière fois parce que je l'ai raté. Voilà. Donc là, ici, c'est facile. Donc ici, ce qu'il faut faire, donc on se penche en arrière et en avant. Et ensuite, on vous repenche en arrière pour éviter de voler en avant et de tomber bêtement. Donc ici, ce qu'il faut faire, vous faites un bunny up et vous penchez en avant, en fait. Un bunny up, et on se penche en avant. Un bunny up, et on se penche en avant. Donc rien de difficile ici. Donc ici, vous pouvez vous laisser retomber ici comme vous voulez. Ici, il faut accélérer vraiment un petit peu. Là, accélère, bunny up. Donc ici, on se freine ici si vous pouvez. Et ensuite, vous accélérez en faisant un bunny up et vous restez comme ça, à peu près droit. Ensuite, bah ici, on se penche en arrière et en avant, rien de difficile. Donc ici, un bunny up. Sauf qu'en fait, ici, il faut essayer d'arrêter. Alors là, c'est pas bon. Donc il faut essayer de s'arrêter de manière comme ça, en fait. À peu près. Il faut essayer de s'arrêter doucement, en fait, dessus. Donc voilà, à peu près en avant, et là comme ça on se laisse voler, ici on met un coup de frein. Donc ici, un bunny up. Oups, par contre ça c'était pas beau. Attendez. Donc là voilà, encore un bunny up. Donc ici pas de bunny up, rien de spécial, hein. On avance comme on peut. Donc ici on va se pencher en arrière et en avant. Donc là, voilà, ici, en arrière, en avant. Ensuite vous restez sur l'arrière. Donc là par contre c'est assez bête ce que je viens de faire là. Donc en arrière, en avant. Donc soit vous allez rater sur la caisse là ou pas, ben, ça peut dépendre. Donc ici vous mettez comme ça. Ici pas besoin de reculer jusqu'au fond sinon vous allez voler trop loin. Il faut se mettre à peu près au niveau du checkpoint un peu devant.
Donc vous accélérez toujours en laissant le bonhomme en arrière. Donc voilà. Ici, vous faites un petit bunny-up, vous avez juste à vous pencher en avant, ici vous allez atterrir ici. Facile. Donc ici, si vous pouvez vous arrêter ici, bah, vous vous arrêtez. Sinon, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir tout enchaîner, quoi. Quand vous allez atterrir ici, vous arrangez pour atterrir sur l'avant arrière et continuer directement comme ça. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est pas très difficile. Donc là, soit pour la sûreté, vous faites comme ça. Soit vous faites comme ça, quoi. Voilà, donc là, soit vous enchaînez, vous gagnez un petit peu de temps, quoi, mais bon, quand on veut gagner du placement, ça se joue vraiment à la seconde près, au millième de seconde. Donc c'est ce qu'il faut faire, donc rien de difficile, un petit bunny up, un petit bunny up, et puis voilà. Donc par contre, ici, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui se trinquent ici. Donc faut se pencher en arrière et en avant. Et moi, je sais qu'une fois, quand je voulais l'avoir en platine, je l'ai essayé, j'avais tout réussi. Et je me suis raté là, sur la petite planche. Donc je peux vous dire que j'ai pas été super content. Hein. Donc là je vais vous montrer mon replay qui va faire 2 minutes de plus sur la vidéo, donc ça va faire un petit peu long. Ouais non, ça va à peu près 13 minutes. Ouais ça va aller, on va compter 14 minutes. Hein. Donc là j'espère que ça va pas. Donc là voilà, on met un coup de frein ici, on se penche en avant. Donc ici, regardez bien comment j'ai fait. J'ai fait un bunny-hop ici, et je suis raté ici. Donc là, ce qu'il faut faire, donc là voilà, j'ai mis un petit coup de frein et j'ai essayé de m'arrêter ici à peu près, vers le milieu. Ici j'ai fait mon bunny-hop. Donc ici par contre. Ouais, donc là voilà. Bah ça c'est une deuxième technique qui est beaucoup plus longue, hein, mais c'est parce que là. J'avais fait je sais pas combien de fois la map, donc ça devenait un peu chiant. Donc là, comme je vous ai dit, sur la petite planche, ensuite on s'arrête ici, si on veut. Bah là, j'essaie de la tracer quand même, mais bon, je peux faire largement mieux au niveau du temps. Donc j'ai ici, en arrière et en avant. C'est très facile. Donc là, par contre, il me semble que ici j'ai essayé de bien enchaîner, là, je le fais sur la... Non, même pas. Bah là, je l'ai pas vraiment enchaîné, celui-là. Mais bon, ça m'a permis de réussir la map quand même, quoi. Donc ici, un bunny-up. Ouais, je vais même rater mon bunny-up sur celui-là. Donc là, comme je vous ai dit, hein, vous y allez en deux jours, hein, et on est atterri ici. Donc là, voilà, un petit bunny-up ici. Là, ensuite, moi, je me suis penché en avant et ensuite en arrière et en avant. Là, j'ai mis un coup de frein, donc là, en arrière et en avant, très facile. Donc là sinon je vais un peu arrêter de commenter au niveau du tutoriel et vous dire deux trois trucs que je compte faire donc sur Triap Fusion par rapport à Triap Fusion. Donc moi sur Triap Fusion le truc c'est que étant donné que je le prends en boîte hein, avec le CD et tout ça je sais pas comment dire. J'ai vu qu'il sortait sur PS4, Xbox One et PC en boîte. Donc je parle pas du téléchargement, là je parle de la boîte. Et j'ai vu qu'il sortait le 17 avril, au lieu du 16 en téléchargement. Donc le truc c'est que je vais donc le jour où je vais aller voir pour le prendre en boîte, donc le 17 sur Xbox 360, si je le trouve pas en boîte, bah je le prendrai en téléchargement du coup le 17. Hein. Du coup j'aurai pas le season pass avec la boîte parce qu'il y a le season pass dans la boîte. Je sais pas si je le prendrai ou pas. Du coup season pass je vais regarder. Donc ça c'est pour donc là c'est pour ce qui était de ouais donc du coup la vidéo je la ferai du 17 hein, genre je ferai pas de vidéo du 16 le 16 avril sur Trial Fusion donc ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la date de sortie et tout ça donc sur Trial Fusion je vous ai déjà dit que je ferai le World Swoon donc on pourra faire quelques trucs genre online je ne sais quoi ah oui donc là c'est la petite ah merde. Parce qu'en fait, quand on réussit en platine, il y a une petite vidéo avec les écuries qui est assez sympa. Donc là, par rapport à Trial Fusion, donc là, je vous ai à peu près tout dit. Sinon, sur Trial Evolution, je vais avoir, je vais faire le tournoi des extrêmes comme je vous avais dit. Donc en même temps avec vous en vidéo. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai fait, ah non, j'ai fait 19 fois là. Ah non, parce que je l'ai refait mon record. Mon record d'avant, c'était 67 fois, et non, je l'avais refait, en fait.
Ouais, enfin bref, je vais essayer de le refaire quand même encore. Et donc je vais faire ça en live avec vous. Et il y aura peut-être quelqu'un avec moi. Donc ça, je suis pas sûr, il y aura peut-être quelqu'un. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. Allez, enjoy!